Salut, salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel opus de C'était quoi déjà? Un nouvel opus qui est destiné à un jeu PS2 qui sent bon le Shambara. Donc si vous êtes fan comme moi du cinéma japonais et notamment des films classiques de sabre japonais, qu'on appelle plus communément Shambara, vous allez adorer ce jeu. C'est un ancien jeu qui date de 2002. Il a été développé par Akele et il a été distribué par Eidos Interactive. Donc voilà, donc là vous voyez apparaître Akele, donc un jeu de 2002 inspiré en fait des films de sabre japonais qui vous replonge dans un contexte qu'on va découvrir lors de la cinématique. Je vais me permettre, pour une fois n'est pas coutume, de parler sur la cinématique. Nous sommes en 1878. L'effondrement du règne du shogun Tokugawa et le début de l'ère Meiji annonce la fin de l'âge des samouraïs. Pendant des siècles, le Japon n'a eu aucun contact avec d'autres cultures. Mais aujourd'hui, les Occidentaux posent le pied sur cet état insulaire, ébranlant une culture qui s'est développée de façon isolée durant des centaines d'années. Née à une époque où ils ne sont ni nécessaires ni bienvenus, les samouraïs n'ont rien à voir avec les héros et légendes qui les ont précédés. Cette histoire, The Way of the Samurai, retrace le mode de vie de ces derniers combattants. Donc voilà, on se retrouve après cette superbe cinématique. J'espère que la présentation vous plaît. Way of the Samurai, en fait. Donc vous allez vous retrouver fraîchement débarqué. Donc là, on est sur l'interface. Je vous expliquerai un peu le contexte par la suite. Comme vous voyez, différentes options. Moi, je vais changer certaines options que j'avais bidouillées et mal m'en a pris, c'était pas les bons bidouillages. Donc voilà, une interface assez simpliste, hein. C'est de la PS2, c'est un jeu de console assez vieux, 2002, donc je le répète encore une dernière fois. Et de ce fait, donc voilà, les options sont quand même assez simplistes. Vous allez incarner dans ce. Donc là, on va partir un peu plus. Comme vous pouvez voir, vous avez l'utilité en fait des différentes touches. Ce qui va vous être extrêmement utile parce que ce jeu est sans concession. Assez court. Faut compter environ 2h30 voire 3h pour le terminer. Mais voilà quoi. Il n'y a pas une très très grande. Comment dire, longévité.
Alors, par contre, il est hyper intéressant parce que vous avez des fins alternatives, ce qui fait que selon les choix que vous allez faire et tout le reste, vous aurez une fin ou une autre et vous aurez aussi une appréciation de votre combattant et de la façon dont il a géré cette histoire. Donc voilà, là je vous fais un peu défiler pour que vous puissiez comprendre un peu toute la complexité, puisque c'est un jeu en fait qui ne se prend pas en main dès le début, faut essayer, réessayer, vous allez mourir, hein, ça c'est clair et net, faut pas rêver. Déjà en simple, vous allez voir, moi je l'ai mis en simple pour dire de vous faire la présentation, mais c'est déjà pas aisé. Donc voilà, les options ont été faites, on va commencer en facile, parce qu'il y a normal et alors après il y a encore plus dur. Donc voilà, là ici on crée son personnage, je vais déjà commencer, alors c'est Kenji à la base, je vais l'appeler Arc, hein, fidèle à moi-même. Donc voilà, vous pouvez changer le nom de votre personnage, ça prend pas trop de temps logiquement. Par la suite, vous pouvez choisir son visage ainsi que son vêtement, enfin son kimono, excusez-moi. Et enfin, voilà, sélectionner parce que, en gros, hormis ça, les sabres c'est toujours les mêmes. Donc voilà, on commence l'aventure. Donc, on arrive, on est un samouraï fraîchement arrivé au niveau du col de Rokotsu. Donc là, c'est une phase un peu didacticielle, vous pouvez très bien l'enchaîner. Là, bizarrement, votre sensei est une femme. Alors ça c'est un peu quelque chose, si on connaît la culture japonaise, qui passe pas trop parce que les femmes n'avaient pas véritablement, c'était un monde assez macho et les femmes n'avaient pas véritablement leur place dans les combats ou enfin du moins dans la culture des samouraïs. Les femmes étaient plutôt cantonnées au rôle de maîtresse de maison et de mère au foyer quoi. Mais bon, c'est une excentricité qu'on pourra passer. Vous verrez par la suite que quand même, c'est un jeu assez, assez sérieux dans le sens où très très vite vous pouvez vous faire tuer. Étripé à coup de katana. Il est assez fidèle en fait, il vous plonge vraiment dans cet aspect où quand vous acceptez un combat, c'est à vos risques et périls quoi. Si vous vous lancez dans la bataille, vous vous lancez dans la bataille, mais ça passe ou ça casse quoi. Et c'est un peu la vision samouraï qu'on peut avoir dans les Shambara où ils s'observent pendant un moment et d'un seul coup le coup part et il y en a un qui reste debout pendant que l'autre s'effondre quoi. Ouais, c'est quand même assez fidèle. Bon là c'est en simple, donc bah oui, il n'y aura pas vraiment beaucoup de challenges, c'est plutôt pour vous faire découvrir, sachant oui, que la présentation va être très très succincte. Ne m'en veuillez pas, c'est simplement que j'ai décidé d'en faire un let's play. Je vais vous montrer le jeu, on va essayer de le décortiquer un petit peu, je vais vous montrer un peu comment on le manie. Là je suis désolé, hein, je peux pas passer les cinématiques, je suis obligé quand même de faire le premier tuto qui est sur comment on parle avec les autres joueurs, sachant que je ne vais pas le faire le reste parce que sinon après on enchaîne avec toutes les techniques de combat et on n'a pas fini. Donc si je veux vous montrer le jeu, voilà, donc là c'est bon, c'est parti. On va arriver au niveau du col de Rokotsu. Alors le col de Rokotsu en fait compte différents lieux, notamment la demeure du clan Akadama. Les Akadama en fait sont des samouraïs type qui ont pour but de renverser le gouvernement. Faut savoir qu'une loi est passée interdisant le port du sabre pour les samouraïs. Autant vous dire que c'est comme si on leur arrachait leur âme. Un samouraï sans sabre, on n'est plus un samouraï. Enfin voilà quoi. C'est un ronin, mais certainement plus un samouraï. Donc voilà, là on arrive, on est tout fraîchement débarqué. Et voilà, vous allez être amené à vivre différents événements où il va falloir vous positionner. Ici vous voyez une jeune fille qui essaye de s'échapper d'une sorte de yakuza avec sa horde derrière. Et donc là vous avez un choix, soit vous les laissez passer tranquillement, soit vous allez essayer de sauver cette jeune fille.
Là, avec ce personnage-là, en fait, je vais essayer de me placer, essayer d'aider en fait les villageois. Voilà. Donc, vous voyez, ouais, ça gigle bien là, quand même. Et par contre, voilà, là, il a bloqué. Donc voilà, vous avez vraiment des techniques de sabre où, voilà, on enchaîne. On enchaîne, on se place, on peut se, comment dire, voilà, sans faire deuxième. Ça y est, là le chef va s'en mêler et vous allez voir que ça va être autre chose. Hein. Pourtant, je suis en simple, hein. Je suis vraiment en simple. Mais à partir de là, ça va se compliquer. Voilà. Donc là, il a réussi à briser ma garde et il m'assène une paire de coups où je peux plus rien faire. J'essaye de le frapper au sol, mais j'y arrive pas, donc je me relève en frappant. Là, je l'embroche. Hop, hop. Donc vous allez alterner entre des coups faibles mais rapides, c'est le carré, et des coups très très forts, c'est le triangle. Je risque de la tuer sans vouloir, donc là je m'occupe de ses sbires, parce qu'en fait il faut tuer le maximum de ses sbires. Comme vous voyez, ils perdent leur... comment ça s'appelle? Des fois ils perdent de l'argent, des billets, des yens, ou des fois, enfin la plupart du temps quand ils sont morts, ils perdent leur sabre, et le sabre vous pouvez le ramasser. Vous voyez là, j'ai ramassé un sabre émoussé, alors c'est hyper important. C'est vrai que vous allez voir, et vous allez peut-être vous dire, ouais mais on perd un temps dingue à ramasser des sabres. Ouais, sauf que il y a différents types de sabres, et vous pouvez les améliorer. D'ailleurs, en parlant des sabres, faut savoir que là sur l'interface, en bas à gauche, vous avez deux jauges. Donc là, je viens de découvrir une nouvelle technique. Vous avez une jauge grise qui se remplit de rouge. Donc là, vous voyez, je viens de briser une partie de mon sabre. Et la jaune, jauge orange, là, c'est ma vie. Donc une fois qu'elle est tombée à zéro, je suis mort. Vous avez pas trop de chance, hein. Vous avez qu'une vie. À vous de l'amener tel un samouraï. Voilà, bah là j'ai brisé totalement mon sabre, comme vous voyez, il n'y a plus de gris. Donc ça commence très très bien cette partie, puisque j'ai déjà éclaté mon sabre qui est normalement le plus résistant, puisqu'il avait 3 niveaux à la base. Et là, bah, je me retrouve plus qu'avec une garde et un petit bout de sabre qu'il va falloir que je change assez vite. Donc là, je mange. Oui, donc vous pouvez faire aussi attention. Vous avez des radis blancs pour vous pour remonter votre jauge de vie. Vous avez aussi des champignons, mais là, ça vous risque péril parce que quelquefois, ils vous font augmenter la jauge, comme quelquefois, ils vous empoisonnent. Donc à vous de faire vos choix. Là, première connaissance, bah, c'est la fille de l'auberge que vous venez de sauver en bon samouraï. Loyal. Ça va pas durer très longtemps, comme je vous l'ai dit, hein, je vais faire un let's play dessus, donc vous pourrez le voir par vous-même. Elle vous invite, bon, à vous après d'accepter ou pas. Et voilà, à partir de là, vous êtes libre, vous allez partout. Donc on a parlé du clan Akadama, qui est des samouraïs qui essayent de restaurer l'honneur du samouraï en voulant renverser le gouvernement. Vous serez aussi en prise avec la résidence des Kuru. Les Kuru sont des samouraïs, mais qui sont un peu plus des voyous, en fait, hein, plus des ronins, en gros. C'est un clan qui est là, mais qui se fait du fric sur le dos des paysans. Vous avez différents... Donc là, vous voyez, c'est le sélecteur de katana. Donc là, il est à 0, résistance 0, puisque en fait, il reste plus que la garde. Donc je le jette, et je vais passer sur des sabres émoussés. Alors, faut savoir que c'est la pire des options que vous aurez. Mais bon, c'est déjà mieux que de se retrouver à main nue. Voilà, et j'en ramasse un troisième, en espérant que c'était autre chose qu'un sabre émoussé, mais non, je n'ai que des sabres émoussés. Donc je vais devoir continuer l'aventure avec simplement un sabre émoussé, ce qui n'est pas la meilleure façon de continuer automatiquement l'aventure. Donc voilà, vous voyez, les combats sont assez brefs. Bon, là on est en facile, hein. Je peux vous assurer que passer en moyen ou en dur, et automatiquement là on va vers le temple. Donc j'essaye de voir s'il y a des gens au niveau du temple, mais voilà, plusieurs lieux, donc la demeure du clan Akadama, le chemin de fer, la fonderie. Ah, donc là on est au niveau du troisième clan. Ça va, le cham vient de me sauver la vie, personne n'y a rien vu. Lui, c'est un représentant de l'État, en fait.
Donc il y a trois factions qui sont en train de se disputer le col Rokutsu. C'est le gouvernement et en face deux clans qui s'affrontent, les Hakadama et les Kuru. Kuru, excusez-moi. Voilà. Donc là je vais essayer, mais zut. Ouais, donc c'est pas prévu que je le tue lui. Pourtant, j'aurais essayé. Alors vous pouvez le jouer de différentes façons. Vous pouvez le jouer très loyal, comme vous pouvez essayer de faire un carnage comme on peut en voir dans tous les... Ah bah ça y est, je l'ai rattrapé quand même. Est-ce que je peux l'avoir? Donc là en face, il parle avec celui-là qui fait office de shérif au niveau du village, du col de Rokutsu, qui est évidemment corrompu, tout aussi corrompu que les trois factions en fait, qui sont le gouvernement, le clan Akadama et les Kuru. Donc là je vais essayer. Bing. Ah. Donc là c'est. Voilà, il se tire. Je ne peux pas le tuer, hein. C'est quand même un des éléments phares. Peut-être plus tard, mais pas pour l'instant en fait. Donc voilà. Et donc à partir de là, des choix vont devoir être faits. À vous de voir ce que vous voulez faire. Je repars de ce côté-là. Bon, hop. On repart du côté du temple. Et là, bon, j'essaye de regarder quand même et de pas... Non, le troisième, non. Parce que j'en avais ramassé un troisième, mais je l'avais pas encore vu. Donc à voir. Il n'y a pas beaucoup de lieux, ça dure pas très longtemps, mais c'est assez intense. Et si vous jouez vraiment en ordinaire ou en difficile, je peux vous assurer que vous allez passer du temps à essayer de faire l'aventure, sachant que vous n'avez qu'une vie, hein. Donc une fois que vous êtes mort, c'est comme un samouraï. Ça vous met vraiment dans la position d'un samouraï. C'est-à-dire, vous acceptez ou vous refusez le combat, mais vous savez que si vous acceptez, vous avez intérêt à le gagner, sinon vous êtes mort. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que ma présentation, même si elle est succincte, vous a plu. Si vous êtes adepte de Shambara... Ah tiens, on fait... Ça c'est un des personnages qui sera assez important, puisqu'il va vous donner une astuce qui peut vous aider par la suite. Sachant que là, c'est peut-être un peu trop tôt dans l'histoire quand même. Ah bah il veut nous apprendre quelque chose, donc ça peut toujours être bon à prendre. Enfin voilà, donc c'était Way of the Samurai, excusez-moi. Un jeu sorti en 2002 sur PS2, créé par Akire et distribué par Eidos Interactive. Si ça vous a plu, tant mieux. Sachez que je me destine à essayer de faire un let's play avec les trois personnages que je vais rendre spécifique à chaque aventure. Je vais faire trois saisons. La première saison sera avec ce personnage présent, Arc Netom. Oh, je me rappelle même plus. Enfin, Arc et quelque chose. Netamatsu. Après, par la suite, je ferai deux autres personnages. Le personnage que vous verrez là sera assez loyal vis-à-vis du village. Je viendrai en aide aux villageois. Avec un autre personnage, je prendrai le parti du clan Akadama. Et avec le troisième personnage, le plus jeune, certainement que je prendrai le parti du clan Kuru, pour dire de voir justement les différentes fins, possibles, du moins si jamais j'en suis capable. Voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous motivera, en tout cas pour tout fan de Shambara qui se respecte et amoureux de jeux vidéo, ce jeu est un incontournable, hein, je vous le dis d'emblée. J'ai pas joué au suivant, j'ai que le premier opus, mais je pense qu'un de ces quatre, j'essaierai de me pencher sur la question de comment avoir les autres opus. Bon, je vais à l'auberge, et d'ailleurs je me suis trompé, l'auberge est derrière. Je vais à l'auberge et je vous laisse là. C'est le début de l'aventure, mais à vous de la terminer. Allez, salut, bye bye, bon jeu à tous, au revoir.